Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je deviens tatoueur. En gros, je vous explique, moi, ça faisait très longtemps que je voulais me faire des tatouages. J'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de tatoueurs qui me suivent. S'il y en a qui passent dans cette vidéo, dédicace à vous. Et c'est vrai que j'avais jamais fait le lien parce que, évidemment, bah, le tatouage, c'est du dessin. Et j'ai eu l'occasion d'échanger et de faire connaissance avec Sébastien, qui est un petit tatoueur dans un village en Dordogne. C'était de base un abonné qui voulait en fait m'acheter des dessins originaux. Et on a convenu d'un accord, tout simplement, c'est que j'aille là-bas, je lui fasse des dessins originaux. En échange, il me fait des tatouages à moi et à ma copine. Et en plus de tout ça, on en a tiré une très belle vidéo, celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Avant tout, si je peux apporter de la visibilité à Sébastien, bah ce serait vraiment, vraiment cool. Tous ceux qui habitent la Dordogne ou alors dans les alentours, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de vous faire tatouer. Je vous mets le lien de ses réseaux sociaux en description et vous verrez à la fin que moi-même, j'ai fait mon premier tatouage sur lui. Et d'ailleurs, j'organise un petit concours pour lui donner de la visibilité. C'est extrêmement simple. Il suffit d'aller s'abonner à un de ses réseaux sociaux, principalement YouTube. Donc tous les réseaux sociaux sont en description. Vous abonnez à un de ses réseaux sociaux. Vous m'envoyez un screen sur Snap ou Instagram. Et moi, quelques jours après la publication de cette vidéo-là, je vais tirer au sort un gagnant tout simplement pour gagner un cadeau d'une valeur de 50€ que je lui enverrai moi-même. N'hésitez pas à aller le soutenir. En plus, il a déjà sorti sur sa chaîne quelques vidéos en rapport avec moi et les dessins que je lui ai fait, etc. Ça me ferait super plaisir, ne serait-ce que si vous allez faire un petit tour sur sa chaîne, vous lui lâchez un petit commentaire, bon courage ou quoi. Et en plus, il organise également un concours où il fera gagner à l'un de ses abonnés un tatouage d'une valeur d'une 100aine d'euros. C'est parti, je vous emmène pour la vidéo. Salut Seb. Ça va? Hop, je les laisse dehors et voilà le petit salon. Mais c'est qu'il est mieux équipé que moi. Je te jure. Des Sakura. Balèze, hein. Alors ça, en termes de tarif, ça n'a rien à voir entre les deux. T'enlèves les bracelets, non? Tu veux un mouchoir? First I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotion.
emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming the worst, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back, I want you to take me back. You want me to take you back. Bon alors, Seb, j'étais comment par rapport à Julia? Tu veux la vérité? Ouais. Bon, c'est parti, je vais présenter à Sébastien les petits dessins que je lui ai faits. I seen too many people leave when it get hot. I'm tired of going back and forth when we pissed off. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. And that's from the start. Yeah. Reach the pinnacle, things start to get physical. What make it worse, the motherfucker live with you. Talking what you didn't do and what they did for you. You just praying for a miracle, cause they been with you. Voilà, j'ai fini le travail. Alors, ton avis sur mon activité de tatoueur, Sébastien, s'il te plaît. Est-ce que je peux m'y mettre ou est-ce qu'il faut que je reste au dessin? Bah, le dessin, c'est peut-être mieux quand même. C'est peut-être plus ma vocation. Ouais. Tatoueur, on va laisser ça au pro quand même. J'ai un petit message à vous faire passer et j'ai besoin de vous. Vous voyez cette photo, c'est le résultat de mes dessins tels que les a disposés Sébastien dans son cadre. Et je sais pas vous, mais j'adore le rendu, je trouve ça super, super beau. Plutôt que de vous proposer dans ma boutique uniquement des imprimés, pourquoi pas vous proposer directement des tableaux comme ça avec mes dessins. Donc ma question c'est, comment est-ce que vous trouvez le cadre? Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que c'est un produit qui serait susceptible de vous intéresser? Voilà, j'attends vos réponses d'une plus grande sincérité. Évidemment, il serait possible de choisir les personnages que vous souhaitez avoir dans chaque carré, et chaque personnage serait travaillé à la manière de mon style, évidemment, comme vous en avez l'habitude. J'attends vos retours par rapport à ça, et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Et voilà, vous avez vu ma vidéo. Donc là, mes tatouages sont en pleine cicatrisation. Donc voilà, il y a celui-là qui est là. Il y a la petite lune qui est juste là. Et il y a ceux sur les doigts. Alors sur les doigts, c'est pas sûr que ça tienne, hein. Il faut le savoir, c'est comme ça. Donc je tiens encore une fois à remercier énormément Sébastien pour son accueil, pour cette vidéo qu'on a produite ensemble, pour les moments partagés avec lui et sa famille en Dordogne. On a eu l'occasion avec Julia de partager un repas avec sa famille et tout après les tatouages. Et c'était hyper bon. Il nous a sorti du confit de canard, du foie gras. On s'est régalé dans tous les sens du terme. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour essayer d'aller lui envoyer un maximum de force, un maximum de visibilité. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, lâcher un petit commentaire. Encore une fois, ça me ferait super plaisir. Pour tous ceux qui s'abonnent à un de ses réseaux sociaux, vous m'envoyez un screen et moi, je sélectionnerai ensuite un gagnant pour gagner un cadeau d'une valeur de 50€. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu atypique, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, vous a plu. J'arrête de parler, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo qui va vous surprendre de ouf. Je vous fais de gros bisous les amis, ciao tout le monde.